Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène Polozek, j'ai 25 ans, je suis conseillère départementale à Mayotte, membre du MoDem depuis un an et demi et déléguée fédérale des Jeunes Démocrates à Mayotte. Au sein du conseil départemental, j'ai plusieurs fonctions, donc je suis présidente d'un groupe d'élus, je suis aussi en charge de toutes les questions en lien avec l'éducation, la formation professionnelle, l'insertion, mais aussi, puisque nous sommes une collectivité unique, de la coopération régionale et du développement économique. J'ai commencé mes études supérieures par une licence à l'université de Wuhan en Chine. J'ai ensuite poursuivi avec un master en diplomatie générale à l'université de Londres. Côté professionnel, j'ai commencé à travailler en tant que professeur contractuel à l'Académie de Mayotte. Et ensuite, j'ai intégré le pôle formation de la CCI Mayotte. Donc je suis née et j'ai grandi à Mayotte, avec une double culture, puisque ma mère est mahoraise et mon père breton, mais aussi beaucoup d'influence au niveau politique, ma mère étant de gauche et mon père de droite. Pour moi, le centre était donc une évidence, et c'est surtout mon histoire, son ancrage, son côté humaniste qui m'a attirée au MoDem. Donc Mayotte a un lien très fort avec le MoDem, et en plus particulièrement avec son président François Bayrou, puisqu'il a toujours été aux côtés des Mahoraises et des Mahorais pour les événements marquants de notre histoire. Tout d'abord, lors du référendum dans les années 70 pour rester français, et ensuite, lors de la départementalisation en 2011. C'est aussi une grande fierté pour moi d'être une représentante politique locale, parce que notre histoire est marquée par beaucoup de femmes pour le combat de Mayotte française, les femmes qu'on appelait les chatouilleuses. En ce moment, on a l'impression qu'il y a un peu un désamour des Outre-mer pour la France métropolitaine. En tout cas, à Mayotte, c'est pas du tout le cas. On est fiers d'être français et on rappelle notre amour à la France autant de fois que possible. Et pour votre information, notre devise, c'est « Nous voulons rester français pour être libres ».